Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être le premier épisode d'une petite série sur les jardins forêts et qui va être un retour sur un tour de France des jardins forêts que j'ai fait cette année, fin juillet. Alors, je dis tour de France, ils y seront pas tous, mais en tout cas, il y en aura quelques-uns de ceux qui, moi, m'attiraient le plus et puis les quelques-uns qui ont répondu à ma demande d'aller les visiter. Pour moi, l'idée de ce tour de France, c'était de voir d'autres projets, d'autres façons de faire. On verrait que souvent les jardins forêts se mêlent avec une production de plantes, une pépinière. Donc j'avais envie de voir aussi d'autres façons de travailler. Mettre aussi un petit peu un visage sur, enfin un visage entre guillemets si on peut dire, sur des choses que je voyais moi de très très loin. On est souvent connecté par les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes que je suis allé voir qui ont écrit des livres sur le jardin forêt. Donc voilà, je l'ai vu en image, en vidéo. Mais aller voir les choses en vrai, c'est bien. Puis à rencontrer des personnes, rencontrer des passionnés du jardin forêt aussi, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. L'idée sera aussi de vous montrer les différentes productions qu'on peut tirer d'un jardin forêt, tant végétal qu'animal, voire humaine, sociale. Et donc vous verrez les différents visages que peuvent prendre un jardin forêt. Je vais poser à chaque fois les questions les plus classiques qu'on peut poser à quelqu'un qui crée un jardin forêt, les petits conseils pour se lancer, voir les erreurs à éviter, et puis des questions qui seront adaptées à chaque lieu. Allez, pour commencer, on va aller en Corrèze chez Damien et Marie. C'est parti. Salut à tous, ça y est, c'est parti. Donc, premier arrêt, premier lieu, jardin forêt. Donc, je venais là pour voir Damien, Marie, qui est toujours derrière la caméra. C'est planté. C'est comme ça, au moins tu y es déjà. Et la petite surprise, il y a Caro qui est là aussi. Donc, Caro, fan d'araignées, de biodiversité. Donc, on va pouvoir parler de ça aussi un petit peu. Donc, l'idée du tour de jardin forêt, ça va être moi de voir un petit peu comment chacun voit ça. Comment chacun voit le jardin forêt, pourquoi le jardin forêt. Donc toi, est-ce que c'est une de tes spécialités? Comment tu te situes par rapport au jardin forêt? Est-ce que tu es en train de créer un jardin forêt? Oui. Ou est-ce que, ouais, c'est vraiment ça le truc? Oui, c'est carrément ça l'idée, c'est le jardin forêt. En fait, moi, j'aime bien m'inspirer de la nature qui m'entoure. Et quand on regarde la nature, quand on la laisse tranquille sur nos terres, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forêt qui pousse. Du coup, c'est vraiment l'idée de copier ces modèles naturels, de s'inspirer et de travailler avec la nature, donc d'aller dans le sens de la forêt. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est produire, avoir des végétaux qui nous nourrissent, qui nous qui comblent beaucoup de nos besoins et qui se rendent dans une forêt. Quoi. Ouais. On n'a pas changé, on est toujours parfaitement, parfaitement raccord, tout va bien. Alors, on va pas pouvoir faire un truc complet, mais si tu avais des conseils de base à donner, comment tu commences un jardin forêt? Qu'est-ce que ça serait? C'est un peu toujours les mêmes Quelqu'un conseils. Qui voudrait se lancer, en fait, voilà, c'est ça. Alors, c'est, j'ai une réponse qui est assez frustrante pour les gens qui l'entendent, c'est l'observation, prendre le temps et d'observer. Ouais. Parce qu'en fait, on ne fera pas le même jardin forêt si on est sur un terrain sableux, caillouteux en montagne, un jardin humide, gorgé d'eau et argileux. Donc déjà, apprendre à connaître son biotope. Ouais. Voilà, mon premier conseil, c'est observer. Je sais que c'est une réponse qui est assez frustrante parce qu'on voudrait savoir, allez, qu'est-ce que je plante, vite. C'est ça. Donc moi, mon premier conseil, c'est de prendre le temps et d'observer, et de connaître déjà les plantes qui nous entourent. En fait, sur un terrain, il n'est jamais à nu, il y a toujours des végétaux, apprendre à les connaître. Ouais. Et puis Caro m'en parlait, mais la biodiversité, apprendre à connaître la biodiversité dans son ensemble. C'est mon premier conseil, peut-être un peu frustrant. Si tu veux, je peux en donner après. Carrément. Après, le deuxième, c'est aussi d'y aller, d'expérimenter. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui accumulent de la connaissance. Avec les bouquins, avec les vidéos, les conférences, etc. Et on peut se remplir de connaissances et finalement ne jamais passer à l'action. Ouais. Donc mon deuxième conseil, c'est y aller. On va faire des erreurs, on fait tout le temps des erreurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et si tu fais pas d'erreurs, t'apprends pas. Donc il faut attends pas d'être sûr de pas te planter. Vas-y, fais ça, des conneries exactement. Et vas-y quoi. Il y a des trucs vraiment que tu peux avoir, des trucs qui se bouturent hyper facilement, des groseilliers, des ronds sans épines, et c'est gratuit, tu peux y aller, des noyaux, aller te planter du noyau, et c'est gratuit, c'est parti quoi. Ouais. Il faut commencer le premier pas. Ok, ouais. Il y a un type de terrain que tu verrais idéal ou il y a des endroits où on pourrait ne pas faire de jardin forêt? Je dirais non, mais qu'on peut partout un peu. Non, mais partout où il y a des forêts qui poussent, tu pourrais faire un jardin forêt. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà, si c'est pour des personnes qui cherchent un terrain, je dirais l'eau, quoi. On en a parlé juste avant la vidéo. Si on a de l'eau, ça change tout, quoi. La différence, elle est vraiment énorme avec un terrain sec et un terrain avec de l'eau. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un terrain. De l'eau, voilà quoi. On vient de faire le tour là du jardin, là, mais c'est par rapport à chez moi, mais c'est juste incroyable. C'est ça, une plante, je sais pas combien de pourcents d'eau c'est beaucoup d'eau en fait. Ouais. Donc avec de l'eau, oui, forcément, ça tient, puis c'est productif quoi. Est-ce que, parce que là il y a des questions, des gens qui me posent des questions par rapport au réchauffement, au dérèglement climatique, quelles seraient les techniques pour s'adapter à ça? Est-ce que ça sera par rapport au design, par rapport aux plantes? Est-ce qu'il faudrait changer les plantes? Est-ce qu'il faudrait améliorer
forêt, les plantes? Bah, c'est toujours multi-réponse. Donc, Bien sûr. Bah, déjà, par rapport au changement climatique, là, on l'a clairement remarqué, on fait une vidéo, on s'est posé à l'ombre, quoi, direct. On s'est mis sur une tournée. On s'est pas mis en plein cagnard. Donc voilà, déjà, à mon avis, une façon de cultiver qui pourrait changer, c'est peut-être arrêter un peu la quantité de terrain nu avec des sols à nu et des plantes en plein cagnard qui galèrent, qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, pour moi, le jardin forêt, c'est une réponse déjà à ça. C'est-à-dire qu'on va créer là, ces plantes là, elles sont vraiment mieux à mi-ombre qu'en plein cagnard en ce moment. Que là, on est en pleine canicule, à l'heure où on tourne. Franchement, ça change énormément. Ouais. Et oui, après, effectivement, il y a des végétaux. Peut-être que les végétaux qui étaient adaptés il y a 100 ans ne seront pas les mêmes qui seront adaptés dans 100 ans. Le pommier, pour fructifier, il a besoin, pareil, j'ai oublié le nombre de jours, mais un certain nombre de jours de froid pour pouvoir se mettre à fleurir et fructifier. Il y a plein de régions en France où les pommiers, ça ne marchera plus parce que les jours de froid ne sont plus assez nombreux. Quoi. Ouais. Donc, commencer à réfléchir à des variétés ou des espèces. Ouais. Il y a des plantes que par la sélection, on ne pourra même pas... Bah, peut-être qu'on pourra, mais en tout cas, déjà réfléchir à ça. Souvent, quand on regarde aussi la biodiversité, on se rend compte que la faune et la flore ont la tendance à migrer légèrement vers le nord et en altitude. Donc, peut-être commencer à avoir des végétaux qui viennent d'un peu plus au sud, des amandiers en Corrèze, pourquoi pas. Là, on a eu les premières amandes il y a quelques années, il faut faire monter d'autres végétaux aussi. Garder ce qui est existant, parce que c'est quand même une belle base à ne pas perdre, et peut-être introduire un peu des trucs légèrement plus du sud, quoi. Ouais. Et adapter à la sécheresse. Ok. Ça serait quoi, toi, tes... Ouais, ça serait con de le faire, mais si tu devais en garder que 5, 10... Ça serait dommage de le faire. Ouais, ça serait dommage de le faire, mais c'est quoi tes plantes les plus intéressantes? Alors, à quel niveau plus intéressantes? Pour s'alimenter, vraiment? Bon, mais même si c'est pas sur de l'arbre ou des plantes en hauteur, je dirais de la pomme de terre déjà pour s'alimenter. Franchement, là j'ai des bacs de pommes de terre, ça produit énormément au mètre carré, c'est une bonne base alimentaire. Après, si on part sur les petits fruitiers, là j'aime bien en ce moment, c'est mince, la mélanchier du Canada, je trouve qu'il résiste hyper bien à la sécheresse, au froid, et c'est un bel arbuste qui fleurit, qui est très mellifère, qui produit beaucoup de fruits intéressants, je trouve, la mélanchier. Ouais. Mais en vrai, on pourrait dire le pommier, la vigne, c'est dur d'en choisir, hein. C'est comme si j'avais plein d'enfants qui pensaient que ça. C'est pas une question de moi celle-là, mais c'est vrai que les gens veulent souvent savoir, c'est quoi les trucs importants à mettre? En fait, du coup, c'est ce que les gens aiment. Si la personne qui pose la question adore les pommes, mets des pommes. Quoi. Bah, c'est ça. Mais pas que des pommes, mais mets des pommes. Bon, alors là, je peux pas m'empêcher de rebondir encore après coup à cette super réponse de Damien. Je dirais que ça c'est encore une question un peu classique, les mauvaises questions un peu classiques où la question elle est mal posée. Et on me demande, moi, si tu devais garder quelques plantes, c'est quoi les quelques plantes les meilleures? Ou c'est quoi les plantes que tu me conseilles de planter en priorité? Ça c'est une question qui revient souvent. Et donc si on donnait une réponse à cette question en donnant une vraie liste de plantes, plutôt que de dire ça dépend, si on donnait une liste de plantes et que tout le monde se réduisait à ça, ben on ferait tous que des pommiers, que des poiriers ou que juste quelques plantes. Et donc le fait de se dire on va réfléchir à c'est quoi moi la production qui m'intéresse et quoi les fruits que je préfère, et on va tous avoir des goûts différents et on va avoir globalement, l'humanité va globalement créer une diversité de points d'attrait, de fruits qu'on préfère. Donc il n'y a pas une liste précise, il y a peut-être les plus classiques, mais pour vous, ça ne sera pas forcément toujours les mêmes. Puis à vrai dire, il y a tellement de types de fruits, il y a tellement de genres, d'espèces, de plantes, et puis même par espèce, il y a tellement de variétés différentes que ça serait vraiment réducteur de donner juste une petite liste de quelques plantes. Et puis de vous donner une liste, ça vous couperait l'envie d'aller farfouiller, d'aller voir qu'est-ce qui peut se faire. Donc vraiment, allez chercher, il y en a beaucoup qui se font. Faut pas s'arrêter à quelques-unes. Et alors c'est quoi? Parce que moi souvent que ce que je réponds c'est juste allez pas vers les trucs trop farfelus. Ouais. Alors on a de plus en plus les feijoas, les azimini, tout ce truc. Alors c'est génial, mais j'ai pas l'impression qu'on est temps de déboucher là-dessus. Ouais. On sait pas trop les cuisiner, enfin il n'y a pas trop de base. C'est quoi ton avis là-dessus? Toi t'as beaucoup de trucs très originaux ici. Bien sûr, parce qu'après j'ai comme toi un peu la collectionniste voilà. végétale. Donc oui, j'ai plein de trucs originaux, mais en même temps je sais que ce qui fait la base de mon alimentation c'est les classiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on va manger du légume, de la tomate, de la courgette et des betteraves et voilà. Sur les arbres fruitiers, ce qui va produire beaucoup, c'est les châtaignes, les noix, les pommes, les poires, les classiques. Et après, les trucs un peu originaux, ziminiers, feijoa, tout ça. Ouais. C'est pour du complément, c'est pour s'amuser, c'est pour avoir des goûts différents et avoir des récoltes plus étalées. Mais la base alimentaire, en tout cas pour moi, je crois que c'est encore du classique. Encore une fois, totalement d'accord avec ça. Cool. Non, après on peut agrémenter, on peut s'amuser avec des trucs originaux, mais... La base, ouais, ça reste du légume classique ou de la pomme, des trucs comme ça. Surtout qu'on vit dans un pays où ces plantes sont parfaitement adaptées, il me semble. Alors que tous les petits trucs un peu exotiques, bah, il faut des fois jongler un peu pour que ça tienne. Quoi. Après, c'est hyper intéressant et passionnant, donc c'est chouette d'y aller aussi. Mais...
Et puis ça coûte cher, acheter des azimuniers, ça coûte une blinde. Acheter un petit porte-greffe de pommier, ça coûte que dalle, même des pépins de pommes, c'est cadeau. Et se les faire soi-même, ouais, carrément. Bon, et donc un jardin forêt, bah, c'est des plantes, mais c'est aussi des petites bestioles. Donc Caro, je disais fan d'araignée, mais tout ce qui est insectes. Insectes, tout ce qui est sauvage en général, mais je suis rapidement parti sur les insectes, et effectivement les araignées depuis quelques années, c'est ce qui me fascine le plus en tout cas. Et alors du coup, on va commencer par, c'est quoi les intérêts de la biodiversité? On verra après qu'est-ce qu'on peut faire pour la favoriser, mais du coup, globalement, à quoi elle sert? Est-ce qu'on peut ne pas l'avoir pour les gens qui ne supporteraient pas de voir une araignée, d'avoir une bestiole dans son jardin? J'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que ça, il faut s'y faire, il y en a. C'est quoi les différents intérêts que tu verrais, toi, globalement? Les différents intérêts, c'est un peu ce qu'on voit dans les principes de la permaculture, c'est plus c'est diversifié, plus ça va être résilient, et ça marche pareil avec les animaux, donc pour pas avoir des souches de ce qu'on peut considérer comme nuisibles au jardin, des choses comme ça, plus il y a de, plus il y a de diversité, plus il y aura d'équilibre qui va se créer rapidement, plus il y a de connexion entre les proies, les prédateurs, la symbiose, etc. Et plus ce sera diversifié, plus ça s'équilibrera en fait. Ouais. Donc il y aura moins de ravages en général. Ouais. Si on veut quelque chose qui marche, du coup il en faut, il n'y a pas le choix. C'est ça. Et alors, ça serait quoi les différentes pratiques, choses à faire pour la favoriser? Pour la ou les choses à ne pas faire, sinon. Ils trouvent toujours plus ou moins un moyen d'eux, mais il y a une des pratiques qui marche assez bien, c'est le non-agir, déjà. C'est vrai que le côté, laisser les choses en place, laisser des niches, des troncs d'arbres, des tas de pierres, laisser de la matière en tout cas, et surtout de la matière qui peut se décomposer, etc., qui vont apporter différents milieux, différents biotopes, et donc ça, ça va attirer beaucoup, ça crée des niches, etc. Mais dans les aménagements, un petit hôtel insecte au milieu, c'est bien? Hôtel à insectes, moi je suis pas forcément pour, parce que ça rassemble trop en fait. Ouais, non, il y en a qui marchent très bien, et il y en a, mais c'est vrai qu'un grand, ça rassemble trop les petites niches. Et je pense que ce qui est mieux, c'est de faire un petit peu partout, de mettre des petites niches, soit des petits fagots de bois ou des arbres morts, des bûches, des tas, du sable, des choses comme ça. Mais un peu disséminer un peu partout, ça, je pense que ça marche beaucoup mieux. Il y a moins de concurrence, il y a moins de proies prédateurs qui sont en présence. Donc en général, chacun va trouver sa place, mais l'hôtel à insectes, bon, c'est quelque chose qui reste intéressant parce que ça offre de toute façon le gîte à certaines espèces qui vont s'y installer, mais c'est trop regroupé, je pense. Et puis si c'est si l'hôtel, s'il y a un hôtel insecte qui est placé au mauvais endroit, ça marche pas, alors que si on diversifie un petit peu les niches, il y aura forcément les bonnes conditions qui s'adapteront. Et en mettre un peu partout. C'est ça, en mettre le plus possible, c'est bien. Est-ce que, alors on va essayer d'aller plus global maintenant, la sauvegarde de la biodiversité au niveau mondial, on entend beaucoup là que c'est en train de se casser la gueule, qu'il n'y a plus grand-chose. Les jardins forêts, ça pourrait être une solution? Comment tu le vois tout ça? C'est sûr que les jardins forêts, justement, en général, c'est justement des gens qui ont un petit peu envie de que la nature soit assez luxuriante, que ça prolifère pas mal. Et il y a en tout cas, dans le modèle du jardin forêt, il y a le système des strates qui est magique, parce que des strates, on va avoir la strate du sous-sol, du ras de l'herbe, des troncs, des feuilles, jusqu'à la canopée. Et tout ça, ça crée justement des niches différentes. Il y a des animaux qui sont rarement au sol, qui vont être... Amazonie, par exemple, il y a plus de 80% des espèces, on les trouve dans la canopée. Et après, il y en a beaucoup qui sont aussi en sous-sol, qui sortent pas. Donc la stratification, en tout cas, qui est des niches à toutes les strates, ça permet qu'il y ait une explosion de la biodiversité. Donc les herbes hautes, c'est déjà bien. Les buissons, c'est extra. Les arbres, enfin tout combiné ensemble, on ne peut pas faire mieux. C'est vrai qu'on voit souvent la notion de strate pour les plantes, mais pas forcément pour la faune qu'on y trouve. Pour la faune et pour les connexions entre elles, donc même pour les corridors, des corridors souterrains, des corridors du ras du sol, des corridors aériens, le vent aussi, c'est un corridor qui est très important et qui peut... Donc s'il est arrêté par un arbre, c'est aussi intéressant que ce soit... Donc ça fonctionne. Les strates pour les animaux, c'est important. Ouais. Tu pourrais résumer la notion de corridor pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un corridor et à quoi ça sert? Corridor écologique, c'est surtout pouvoir laisser une libre circulation aux animaux, aux plantes, à tout ce qui est vivant en fait, et de penser en termes de strates, de savoir qu'il peut y avoir, qu'il ne faut pas couler des dalles en sous-sol systématiquement, ça peut arrêter. Mais c'est une capacité de libre circulation et ça permet qu'il y ait une diversité génétique aussi, que ce soit pas qu'il n'y ait pas des populations qui soient isolées les unes des autres. Voilà, et du coup qu'elles soient plus résilientes et que la génétique circule surtout, c'est très important. Et qu'il puisse, il y a des animaux, donc on a souvent l'exemple des crapauds, des grenouilles, qui font quand même un grand trajet pour...
venir juste dans les zones humides pour pondre et qui ensuite font leur vie en forêt ou en lisière de forêt. Et ça leur fait quand même des grandes traversées à faire. Et sans cet accès aux zones humides et ensuite à leur lieu de vie ou lieu de chasse, ça fonctionne plus. Donc c'est très important, les corridors. On est obligé. Bah, du coup, au plan national aussi, au début, on a protégé les espèces. Ensuite, on a protégé les milieux et aujourd'hui, on est arrivé au point où on a compris que si on ne connectait pas les milieux, ça ne fonctionnait pas. Ouais, donc, les corridors commencent à devenir assez intéressants au niveau national et mondial même. Ok. Du coup, si on veut faire tous des jardins forêts chez nous, ça serait bien qu'on arrive à les connecter pour que tout puisse circuler entre les jardins forêts. Donc, il faut en faire des gros et partout. C'est ça, tout à fait. Ouais, quelques prairies entre, ça marche aussi, mais connecter les jardins forêts, c'est parfait. Génial. Un petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on va faire comme mot de la fin? Parce que les conseils, tu les as donnés. Est-ce que tu aurais un conseil, toi? Le conseil ou un ou deux conseils Le conseil, ça serait un peu comme c'est passer du temps à observer aussi, parce que plus on observe, plus on s'intéresse, plus on comprend, on aime, on protège, etc. Donc l'observation, enfin moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et que j'essaye d'apporter, de partager avec les autres. Et puis laisser, de se dire comme un peu dans un jardin naturel aussi, se laisser la part aux animaux, donc laisser des places où pareil, on va pas forcément tout cultiver, on va laisser des zones où on va pas trop les déranger, où y faire prêter attention. Mais voilà, l'observation et puis un petit peu de non-agir sur certains endroits, c'est quand même intéressant, oui. Génial, génial. Et donc, ça c'était les conseils, le petit mot de la fin, on va dire. Moi, dans ce que je vois, le jardin forêt peut apporter énormément de choses différentes, énormément de production, il y a plein de choses différentes. C'est quoi vos kiffs à vous dans le jardin forêt, les endroits, les moments, les productions, qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le jardin forêt? Si ça devait être une chose au-dessus de toutes les autres, ça serait quoi? Moi, ce que j'adore, c'est l'évolution du biotope, quoi. Quand tu pars de rien ou d'une prairie ou de pas grand-chose, quand tu te mets à faire un jardin forêt, t'as tout qui évolue, t'as le climat qui change, les microclimats changent, la biodiversité qui arrive, c'est incroyable au jardin, de voir toujours de nouvelles espèces végétales ou animales ou fongiques qui débarquent, c'est vraiment trop chouette, quoi. Le kiff, c'est ça, c'est voir que ça bouge et que ça va dans un sens positif, quoi. Ouais. Un peu effet boule de neige, ouais. Si j'entends ce que tu dis, moi je vois ça, tu crées d'autres trucs, tu mets en place et tout d'un coup, c'est en train de faire un truc que tu n'avais pas du tout attendu. Ouais. Et du coup, avoir un peu de patience aussi, quoi. C'est parce que tu mets 2-3 arbres que de suite ça va changer, mais par contre, c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, là, chaque année, c'est pouf. Ouais. Ah, totalement d'accord. Ton kiff à toi? Et je pense que c'est ça aussi, parce que j'ai commencé ici à observer, c'était quand même plus ou moins une prairie, parce que j'ai commencé sur les premières années du terrain, et moi qui passe beaucoup de temps à m'amuser à observer, chaque année j'en découvre de plus en plus, et de plus en plus de dimensions à observer, et ça se multiplie, ça fructifie, donc c'est très riche. Ouais. Au bout de, on repart sur une dernière question qui me vient, mais au bout de combien de temps un jardin forêt il commence à être plus ou moins résilient et un peu productif? Alors là, c'est bien, on l'a pas encore dit, ça dépend. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai là. En posant la question, je me dis, c'est là qu'il faut dire ça dépend. Ça dépend de l'eau, ça dépend du climat. C'est tellement énorme le facteur. Bon, du coup, on va rester sur le ça dépend. Et une question plus précise. Toi, ici, là, ça fait combien de temps que tu y es? Là, ça va faire la 5e année. Et tu vois que le résultat, il est. Ouais. 50, une prairie. Du coup, je mets des images en plus par-dessus, là, au bout de 5 ans. C'était une prairie au début. Moi, je suis venu la première année. Déjà la première année, tu avais commencé à planter il y avait des tout petits arbres partout, quoi, avec de l'herbe autour. Là, ça n'a rien à voir. Et dans 5 ans, ça sera la folie. Merci beaucoup pour l'accueil, pour le partage. C'était sympa. À bientôt. Et on se retrouve chez les prochains. Ciao. Allez, Jardin Forêt, épisode 2, donc deuxième arrêt chez Wally et Kathleen. Pépinière atmosphère, je mettrai des petits liens pour que vous puissiez voir l'ampleur du projet, c'est magnifique. Merci pour l'accueil. Alors, deuxième arrêt du tour Jardin Forêt, très bien accueilli hier soir. Merci beaucoup pour cet accueil. Peut-être de loin, vous ne voyez pas les cernes là. On le fait au petit matin parce que la lumière est bonne, mais on aurait bien aimé dormir un peu plus. Donc vraiment, merci pour cet accueil. Allez, on va partir dans le thème jardin forêt. Vite fait, le jardin forêt, vous, quel âge il a, la partie qu'on voit derrière là, et puis le début du projet ici, et où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ok.
C'est cette partie, elle a 7 ans. Ouais. 7 ans ouais. La partie ouais. Là et le début ici, ouais. Ouais, 7 ans, on rentre dans la phase pré-forestière. On commence à lever la tête, en fait. 7 ans, c'est ouais. Très riche, très fourni. Alors, c'est gavé de fruits partout, partout. Et c'est la saison où il n'y a pas tout, là, tu disais. Mais ouais, bah, c'est entre saisons, en fait. C'est la saison des fruits rouges qui finit. On a vidé toutes les pommes précoces, malheureusement. Parce qu'on a un groupe. Ils ont tout mangé direct. Ouais, trop bon. Des pommes au mois de juillet, oui. Et puis le jardin, il y a plusieurs phases. Donc ici, c'est 7 ans, mais quand tu avances, tu vas voir, il y a une partie de 5 ans, une partie de 3 ans. Et une ans, partie un peu plus jeune derrière. Et la ouais. partie tout à fait qu'on vient de planter. Donc c'est, alors je vais faire quelques images pour que vous voyez. Mais en 7 ans, voir, mais c'est super riche. Oui. C'est super riche. Donc là, on en parlait un peu hier soir, toi l'aménagement c'est typique en haies fruitières. Ouais. Il n'y a pas d'îlot, il n'y a pas de massif, c'est que de la haie. Bah, on a des haies qui découpent, on a des haies qui découpent en fait la deuxième partie parce qu'on a, on s'est arrêté là et on avait des lots de cornouillers. Mais c'est pas vraiment jardiné non. En fait, je suis à la recherche d'un système agroforestier, un système de production. Okay. Je suis toujours dans un axe ici dans ce projet-là. Hein. On a fait un petit jardin forêt dans le village sur Bessières, mais là on a suivi la ligne de Bessières. Okay. J'aime bien la linéarité pour l'organisation et le début en fait, le début de l'installation pour le repérage du végétal. Okay. Et ouais. Après, pour moi, c'est le plus résilient dans le sens où c'est plus facile à adapter. Un jardin forêt linéaire, mais c'est entre guillemets, hein, parce que là le végétal prend sa forme, de l'adapter à d'autres objectifs. Ouais, ouais, ouais. D'intégrer de l'élevage, de faire la balade, bon, peu importe, production, amener un véhicule, d'attente. Ouais, il y a vraiment l'objectif pratique production ici. Ah. Ouais. On est presque à la limite de ce que les gens appellent jardin forêt, où on imagine un truc plus ou moins naturel. Là, on est plus en objectif agroforesterie, production, ligne pour de l'efficacité. Ouais. C'est aussi une grande surface. Donc déjà, on a un agenda bien chargé avec tout ce qu'on fait. C'est aussi une grande surface, donc 1 hectare 3. Ouais, j'allais te demander, ouais. 1 hectare 3 au total. Au total, le jardin forêt. Ah, juste le jardin forêt. Juste là, le jardin, la partie. 1 hectare 3, ouais. Ok, et parce qu'après, il y a la partie pépinière. Ce qui est 1500 mètres carrés de hors-sol, il y a 1 hectare 3 de pleine terre. Donc en fait, il y a, il y a des enfants, il y a des... Ouais. Ouais, il y a trois d'enfants aussi. Ouais, il y a des trucs à faire. Je suis un enfant aussi. Ouais, 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 c'est ça. T'as trois enfants à gérer pour ça. Ça, c'est bien placé. Ouais. je l'ai placé tout seul. La question que j'aurais peut-être dû déjà poser pour commencer, c'est pourquoi le jardin forêt. Alors, toi, c'est en ligne, mais pourquoi la diversité? Pourquoi mélanger autant? C'est quoi l'intérêt d'avoir autant de diversité pour vous? Ben, la première chose, c'était surtout d'avoir des pieds-mères. C'était le premier objectif pour la pépinière, avoir des pieds-mères pour pouvoir prendre des greffons, des boutures, tout ça. Et puis après, deuxième chose, on a un fou furieux là, des plantes qui, à chaque visite à une foire, ils ramènent des nouveaux arbres, des nouvelles choses. La collectionnitis. Les collectionnitis. Alors, c'est marrant parce que ça n'a pas du tout été provoqué, mais on verra si dans chaque lieu, il y a ce mot qui sort. Damien a sorti le même truc sur... pas le même intérêt de base. Là, il y a vraiment un intérêt production professionnelle, rentabilisation du projet rapide. Et puis la collectionnite, quoi. C'est les jardiniers ont toujours ce côté j'adore les plantes, mais du coup, je les veux toutes. Ouais. C'est quoi celle-là? Je l'ai pas. Je la veux. Ah oui, j'ai une bouture dans le coffre pour toi d'ailleurs, faut pas qu'on l'oublie. Mais ouais, c'est ça, entre jardiniers, on se partage et puis on veut avoir tout ce qu'on peut avoir. Et ça m'a calmé quand même. Hein. Là, ça va faire 12 ans que j'ai cette maladie. Ouais. Là, ça m'a calmé un peu. C'est moi qui l'ai repris maintenant. Ouais. C'est vrai que toi. Ouais. Maintenant, c'est moi qui. Ouais, c'est vrai. Oh, ça, on n'a pas encore. Ça, on n'a pas encore. Ouais. Mais plus parce que là, les discussions conjugales initiales, en fait, c'était surtout toi qui disais mais à ça que sert quoi? Arrête un peu. Arrête. Qu'est-ce que tu vas faire de ce truc-là? On fait une foire aux plantes et on rentre avec autant de plantes que ce qu'on a vendu, tu vois? Ouais, ah ben, pareil. J'ai tout vendu, mais le camion, il est plein quand même. Voilà, exact. C'est quoi les différentes productions que vous avez ici? Donc là, ce qu'on vient de dire déjà, c'est tout ça, ça fait des ressources pour la pépinière pour ensuite vendre de la plante. Et oui, c'est ça. Non, c'était pas une question, c'est juste rebondir sur le fait d'avoir autant de diversité.
ça permet de chaque année d'avoir des productions à la pépinière qui sont différentes, parce qu'une année tu vas pouvoir piocher du greffon de certains types, une autre année tu vas faire des boutures d'autres choses, et du coup ça permet de varier. Tu l'utilises comme ça aussi toi? Là ça commence à être stable en fait, hein. Mmh. Là ça commence à être stable et t'as une grosse pépinière où t'as tout, bah, par exemple là, bah, juste greffon pour les fruitiers et sarment pour les vignes. Honnêtement là on a une quantité mais faramineuse. Ouais. Chaque année, ouais. T'as une idée, ouais, du nombre de variétés que t'as ou c'est même pas possible? Nombre de variétés. Ça, il y a beaucoup de gens, j'allais dire de débutants, c'est pas péjoratif, de gens, ouais, quand ils débutent, c'est « Ah, oh, t'as combien de variétés, toi ?» Ouais, mais c'est... Au bout d'un moment, tu sais plus. C'est, ouais, c'est demandé beaucoup, ouais, je crois que c'est ça la bonne réponse. À 100 près, ouais, tu, ouais, dirais combien? 100, 200, 300, 500, 1000? Bah, au début... Même à 100 près, au début, l'objectif, c'était 1200 références, c'était le début, on est revenu, ah, de, ouais, ça. Ouais, oui, je crois. Mais ça, c'est ce qu'on vend, mais jardin, dans le jardin forêt, non, c'est pas du tout. Ouais. Je sais pas combien. De... Parce qu'après, t'as un amélanché, mais t'as 3, 4, 5 variétés d'amélanché. Mais c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Après, ce qu'on a aussi fait, c'est beaucoup les semences. À un certain point, on s'est dit, ouais, mais toute cette richesse, on va récolter les semences pour les vendre. Mais ça aussi, c'est de la folie, quoi, le travail pour tout récolter. Ah, ouais. Pour tout... Ça, on a arrêté, ouais. On a arrêté, parce que, ouais. Il fallait plus de lutins. Oui, c'est ça. Et, ouais, et là, ouais, les ça, lutins, ouais, ils se cachent, en fait. Et d'ailleurs, tiens, ça, c'est peut-être une question qui pourrait intéresser les gens. Quand vous, vu la quantité de travail, vous avez des woofers, des stagiaires, des employés. Comment vous fonctionnez, vous? Bah, pour la pépinière, ouais, employés plus stagiaires. Ouais. Qu'on sélectionne, il faut, faut vraiment le bon profil. Mmh. Parce qu'en fait, il y a tout le monde qui veut essayer, bien évidemment. C'est quoi, mais, le profil, alors? Bah, le profil, c'est quelqu'un qui a déjà touché à la terre, qui a un lien fort avec la terre, ouais, avec le végétal, et qui a un état d'esprit de travail. Mmh. Et, ouais, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut se réaliser quand on veut se lancer dans l'agricole, dans la production. Il, mmh, faut un état d'esprit de travail, de vouloir travailler, de prendre plaisir dans le travail. Ouais, c'est ça, aimer, ouais, ça et puis, ouais, être bosseur. Ouais, ouais, ouais. Et être tonique presque fou, quoi. Ouais. En fait, la limite, elle est pas toujours claire. J'ai eu quelques personnes qui sont venues travailler au début. C'était beaucoup, alors je caricature beaucoup, mais le profil citadin qui va découvrir le monde rural et qui connaît ça par le truc typique, la petite maison dans la prairie. On va couper un peu de bois le matin, donner du grain aux poules. Et c'est fini. Ah, tu, bah, vois, la journée, elle est finie. Ah, non. Bienvenue. Si tu as l'habitude de la journée à 7-8 heures de boulot, la journée, qu'après c'est fini, non. Non, ça tiendra pas. Ouais, samedi et le dimanche, il n'y a pas de jour. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de week-end. Le week-end, c'est le marché. Bah, puis... Tu travailles avec du vivant, en fait. C'est ça. Là, le soleil commence à être là. Donc là, les arrosages, c'est presque trop tard maintenant. Il aurait fallu le faire avant. L'animal, il impose encore plus de soins, ouais, mais le végétal impose une observation constante. Quand même. Ok. Ouais. Ça, faut, ouais, être conscient de ça. Du coup, les types de productions que vous avez ici, donc on a vu tout ce qui est pépinière et vente de plantes. Est-ce qu'il y a d'autres productions que vous avez? Fruits, poissons, œufs, miel? Ouais, poissons, oui. Encore, c'est assez orienté, la question. Ouais, c'est bien fait. Non, les poissons, on va y venir, mais du coup, au-delà de ça... Ouais, on avait des ruches aussi, mais bon, on les a perdues cet, okay, hiver. Mais, ouais, on va en remettre, donc il y avait le miel, ça, oui. Miel, les œufs. On a des moutons aussi qui, ouais, eux, entretiennent les bouchures. Donc, qui ont, super, un paddock incroyable. Ouais. Qui nous aide. J'aimerais bien être un mouton ici. Ouais. Du coup, aussi, on a une production de viande, du coup. Et viande, du coup, ouais, ouais. Et de fruits, oui, on a énormément de fruits, même trop pour nous, ouais, en fait. Ça, mais on n'a ni le temps, ni le courage pour encore, ouais, prendre la production. Allez, faire des confitures et des choses, on n'a pas le temps. Et ouais, donc là, oui, on arrive quand même à, ouais, avoir beaucoup, beaucoup trop de fruits pour une famille. Mmh. Ah, donc, ouais, on commence à réfléchir à ce qu'on va faire avec. Là, pour l'instant, il y a les amis qui viennent récolter. Mais ça marche mais... pas trop, mmh, bien chez nous en campagne profonde, là, l'autocueillette. Et ouais, parce que, ouais, les gens sont loin. Ouais, ouais, ça, c'est limite une production. C'est quoi le mot, enfin, c'est un truc qui vient en parallèle, qui n'est même pas attendu. Mmh. Là, l'idée, c'est d'avoir de la ressource en, ouais, en graines, en semences, en greffons, ouais, en bouture, tout ça. Ouais. Et puis, ah, mais merde, ça fait du fruit en plus. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces fruits? Bah, fruits à pépins, c'est jus. Fruits à noyaux, c'est alcool. Ouais. Et là, en fait, on secoue, on récolte, on met dans des fûts et on a des... En fait, en, voilà, très, oui, peu de, ouais, temps, on peut faire des productions intéressantes. Et ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que... Ça, voilà, n'interprétez pas de façon tordue. Pas de fausse interprétation. Ah, voilà. C'est ça. Mais ouais, ouais, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est dans la diversité des productions du jardin forêt,
c'est, ça peut faire tellement de choses que sur un même espace, c'est un des trucs moi, que je m'étais dit à un moment chez moi, c'est moi ok je fais mes ressources pour la pépinière, mais tu peux installer un apiculteur, tu peux installer quelqu'un qui va y mettre ouais. des poules, tu peux faire venir les copains pour récolter des fruits, pour Absolument, faire de la vente ouais. directe, ouais. pour faire de la transfo, c'est, ça, ça s'arrête au fond. Mais ça ouais, en milieu plus dense, où il y a plus de pression sur le foncier. Ici on est vraiment dans une région, bah, c'est la région avec le Lozère. Ouais. La, ça moins, que la, du coup. La moins peuplée de, ouais. de la France, et oui. Donc à ce niveau-là, ouais. oui, ça on sent bien. Ouais. C'est ouais, la moins peuplée, la misère. Alors du coup, je pourrais pas mettre des liens pour tout, mais on a fait quelques vidéos avec Wally et Kaltin déjà ici. Je suis passé ici il y a 2 ans, ouais. ou un peu plus peut-être. Ouais. Et ils m'ont raconté que dans la Creuse, les oiseaux volent à l'envers. C'est un truc particulier, vous verrez. S'il y a des ornithologues en Creuse, ah, il faut venir voir. À pour pas voir la misère qui est en dessous. C'est ce qu'ils disent la région. Ouais. Dans les petites questions que je vais essayer de poser à tous les gens, si tu avais des conseils jardin, enfin si vous aviez des conseils pour le jardin forêt, par quoi commencer, les erreurs à éviter, ça serait quoi vos conseils? Moi, je pense le design. Ouais. Parce que franchement, là, on a fait des haies avec des lignes, mais si tu vas voir un peu plus loin, ici et là, il y a un arbre qui n'est pas dans la ligne. C'est parce qu'on l'avait mis avant, ah ouais. on pense au lit, et on s'est dit non, mais lui, on ne va pas le bouger, il est trop beau. Donc oui, il y a quand même des... Bien réfléchir avant ouais, de faire ça. N'importe quoi. Ouais. Ouais. Et puis quand même aussi la période de production. Ça, on s'est dit, ah, si on aurait réfléchi, ouais. on aurait mis les arbres par mois de récolte, ça aurait été nettement plus facile. Okay, ouais. Aujourd'hui, c'est sympa, tu te promènes, tu as des fruits de gauche à droite, mais il faut le savoir, nous, on connaît le jardin, mais d'autres, non. Donc, bien réfléchir à comment tu les mets et à qu'est-ce que tu mets ouais. dans tes... Ouais, le design ouais. végétal, ouais. Ouais, quand ouais. même. Et commencer à côté de la porte. Ça, c'est vraiment c'est le plus important. C'est vraiment alors, commencer à côté de la juste, porte. Juste, je te coupe un ouais. quart de seconde, mais le premier conseil, pareil, ça n'a pas été réfléchi, mais c'est le même que Damien, c'est bien observer, bien réfléchir avant de commencer. Et commencer, alors c'est pareil, un autre principe de permaculture, fait exprès ou pas, je ne sais zonage, pas, mais commencer petit ouais. et commencer devant la porte. Et ouais. expandre en fait. Et ça, c'est le vivant, il fait ça aussi. T'as c'est cette croissance exponentielle. Ouais. Ouais, tu ouais. vas pas commencer à faire non. un peu de tout là, non. et non. puis ça s'agrémentera, donc tu commences au pas de la porte. Tu peux planter une haie, tu vois, faire les bordures, et après tu fais cette croissance exponentielle comme du végétal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait exactement la même chose en fait. Okay. C'est agrandir autour du pied mère et on dit ça pa, 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 pa. Et on, ouais. est, on fait une expansion comme ça. Bah, ouais. Génial, génial. Ouais. C'est quoi vos kiffs, vous, les trucs dans ce projet, dans votre type de jardin forêt à vous? Le truc que vous adorez, le truc que ça vous supprimeriez pas? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre gros kiff quoi? Bah, les haies fruitières, parce que les lignes au début, et maintenant en fait on va pouvoir commencer à jardiner et à créer plus de mystères. Déjà ça commence à être plein de mystères parce que le végétal prend son ampleur, mais si on jardine vraiment en fait, peu importe la forme dans laquelle on pense du jardinage, mais on va pouvoir intégrer des mystères. Donc c'est des petits coins douillets où on va mettre des bancs, des machins. Mystère, j'aime bien le mot. Ouais, mystère de où on rentre et oh, on est étonné. Une histoire, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Déjà, je trouve, moi, là, pour l'instant, le jardin, il a déjà ça énormément. C'est le matin, tu viens te promener avec ta tasse de café, et tu te promènes dans exactement. Tes haies, et t'as un petit coin ici, t'as un petit coin là, et puis, ah, il y a le fruit, là, il y a des fruits. Donc, sur ce, oui, ce serait bien d'avoir plus les haies par mois, mais d'un autre côté, ce mystère est génial aussi, parce que tu sais jamais ce que tu vas rencontrer. Ouais. Tu as, ah, une fleur à manger, ah, ça c'est mûr, ça c'est... Donc, c'est des promenades découvertes tous les matins dans ton propre jardin. Ouais. C'est... Vous en arrivez où il y a tellement de diversité à passer dans un coin et à... voir un truc, vous vous rappelez pas avoir mis ouais. ça là, ah, et oui. coup, c'est ah oui, wow. ah oui. Ouais, encore toujours. Ouais. Ah oui, encore toujours. Ah, oui. Ah oui, je m'en souviens même. Là, ah oui, allez, à la fin de saison, j'avais encore un truc. Ah ouais, là, quand on a mangé les transparentes là, de Crankles, c'est une pomme qui produit au mois de juillet. Je m'en souviens, oh oui, il y en avait encore un fétif là, un peu comme ça, toi. Arbre d'insertion, tu vois. Ah oui, là, d'un coup, on a mangé avec 15 personnes. Tu vois, bah, toujours, tout le monde a mangé une pomme, mais. Ouais. Mais ce jeune arbre-là, il... Ouais. Sinon, densification, diversification, toujours ouais. la même chose. Ouais. C'est une question que... Alors toi, du coup, c'est un peu la même réponse, du coup, par rapport à c'est quoi ton kiff dans le jardin? Oui, c'est ça, ouais, c'est pareil, aller à la découverte ouais.
Comme tu dis, là, il y avait un arbre en fleurs. C'était sa première année en fleurs. C'est waouh, génial, c'est trop beau. On n'a jamais vu en fleurs ou les fruits qui sortent, comme ce qu'on a goûté tout à l'heure, le raisin du Japon. Ouais. C'est tout d'un coup, ah, ils sont là, c'est trop cool. Ouais. Bon, après, tu sais, dans la semaine, tu vas plusieurs fois pour aller récolter, mais en faisant le tour, tu trouves encore plein d'autres choses. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Ah oui, alors ça, c'est une question. C'est totalement dans le désordre par rapport à ce qu'on a fait chez Damien. Vos plantes phares, vos plantes. Alors, j'aime pas du tout ça, mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Vos plantes préférées, celles que si vous refaisiez un jardin forêt, c'est lesquelles que vous mettriez en priorité? Akébia, vigne chocolat. Akébia, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Parce que... Elle est jolie et bonne ouais, aussi. La vigne de bouture, donc les variétés paysannes, c'est sûr. Ça, là, le raisin du Japon, greffer, moi, c'est ouais. vraiment mon petit... Les rubus, en fait. Ouais. C'est, en fait, pour moi, c'est rubus. Après, le framboisier, il est en train de migrer. Donc, ouais. C'est vraiment un végétal qui souffre de... Du réchauffement ouais. climatique. Il tient pas bien ici. Non, il tient pas bien, ouais, c'est trop, ça sèche trop. Dommage, parce que c'est bon quand même, les fruits. Mais après, ouais, dans le groupe, ouais, les rubus, en général, bouffent. Nashi, moi, j'adore les nashi. J'adore les plaquéminiers aussi. Okay. Plus que le kaki, parce que le kaki est plus vulnérable. Le nashi, la souche botanique de semis, moi, je kiffe. Ok. Ouais. Il n'y a pas la pomme poire qui vient en premier comme ouais, beaucoup le de jardins. Le sol Bopilus, mais en fait, ouais, nous on en a greffé tant de nos pieds mères qu'ils n'ont jamais produit pour le moment. Ouais. Donc en fait, on l'a depuis longtemps, mais on récolte tant de greffons que la pauvre, elle n'arrive pas. Déjà, il lui faut 7 ans et elle est greffée sur front. Ouais. Donc on n'a pas encore goûté. On a goûté une fois sur une foire, ouais, mais non, pas pour le moment. Ouais. Et alors du coup, tu as un peu répondu avec le framboisier qui migre, donc tu as cette conscience-là. Est-ce que vous choisissez des plantes en fonction du dérèglement climatique? Est-ce que vous évoluez, est-ce que vous changez un peu les productions par rapport à ça? Est-ce que vous ressentez déjà un effet du changement? Ah bah oui, ça, c'est sans aucun... Oui, les citronniers quand même, on commence à penser à mettre des citronniers. C'est vrai, ok. J'en ai mis en véranda, mais c'est ouvert, donc c'est quelque chose, il fait aussi froid dehors que dedans, ouais. Mais j'ai des citronniers qui Ok, qui donc on va vers les agrumes un peu quand plus même, là ouais. maintenant, on peut, ouais. On sait pas, mais il y a plein d'hypothèses, ça va être des extrêmes, ça c'est sûr en fait. Mais aussi intégrer des essences qui viennent de Sibérie, le nord de la planète, nord de Chine, etc. Et des essences méditerranéennes, des essences du sud, pour avoir une résilience, quoi. Parce que, mais déjà pour les citrons, il faut créer un milieu comme celui-là, qui est un peu protégé, avant d'intégrer. Ouais. Si on met un yuzu au milieu d'un champ, là, il va pas aimer, quoi. Alors, le yuzu, c'est le citron qui résiste à quoi, moins 15 degrés? Ouais, c'est ça. La plante résiste à moins 15, mais elle ne produit pas de fruits à moins 15 quand même. Ouais, c'est ça. Un petit mot sur ça quand même. Ouais. Parce que dans toutes les productions, je l'ai bâclé tout à l'heure, mais tu peux nous dire un peu l'aquaponie, où tu en es, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Notre nouveau terrain de jeu là. Ouais, ah oui, c'est un nouveau terrain de jeu. Ouais, c'est un challenge. Ouais. Un challenge. C'est un système très naturel. Hein. C'est créé par l'humain. Donc c'est un dispositif de culture où. Bah, on a l'aquaponie, l'hydroponie et la bioponie. La bioponie, c'est que nous, comme humains, on va intégrer du fumier ou de l'amendement naturel. L'hydroponie, c'est surtout des amendements à déploiement lent, si je dis correctement en français. En fait, c'est surtout chimique. Diffusion lente et soluble. C'est des produits artificiels qu'on rajoute, tu veux dire. C'est ça. Ouais. Alors que la bioponie, c'est toi qui fais... En gros, dans ta réserve d'eau, tu mets un sac de fumier, c'est ce que tu disais. Ouais. Ouais, c'est une intégration d'amendement naturel, en fait, hein, de l'animal. Ça peut être végétal aussi, hein, purin. Et la aquaponie, c'est les poissons, en fait. C'est la déjection des poissons ou des animaux aquatiques. Ouais. Ouais, ça peut être crevettes, hein, écrevisses. Okay, hein. Ouais, ça va être un bain d'écrevisses. Quoi. Donc, ce que j'ai filmé juste avant, parce que là on ne le voit pas, il y a le bac avec les poissons qui est derrière, qui fait quel volume? 3000 litres. 3000 litres, ouais. 3 mètres cubes. 3 mètres cubes, plus un puisard de 6 mètres cubes, plus un filtre de 150 litres. Donc, c'est un système de 9000 litres. 3 mètres cubes avec les poissons, ouais. 6 mètres cubes en plus. Ouais. Sans les poissons. L'idée que c'est le puisard en cas de détresse de ton système, c'est que le puisard, ce qui est la ressource principale en eau, peut tout récupérer. D'accord. Donc on vide tout,
pour une intervention, c'est que tout va dans l'épuisard et on perd aucune goutte. Ok. Donc en fait, on investit dans un truc cher pour ne perdre aucune goutte. Donc, ouais, pour pas. Ouais. Ouais. Et donc là, on a une consommation de 10%. Donc chaque mois, on rajoute 1 mètre cube d'eau pour une surface de 24 mètres carrés de production dense, légumière et pépinière. T'as une grosse, quantité d'eau au départ. Ouais. Et après, elle est stable. Ouais. Et tu perds. 1 mètre, non, combien 10, tu dis 10%, 1 mètre cube par mois. Tu perds 1 mètre cube par mois. En fait, ça consomme 1 mètre cube d'eau par mois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça consomme 1 mètre cube d'eau par mois pour avoir 24 mètres carrés. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, en fait, la grande différence, parce que normalement, c'est sur. C'est flottant. La grande différence, c'est qu'en fait, c'est sur sable des rivières. Ouais. Donc, c'est un agrégat, c'est un support de culture qui, pour moi, est juste génial parce qu'on s'approche encore plus de la terre. Ouais. C'est hyper facile à semer dedans. Ouais, on n'est pas que pur dans de l'eau, quoi. Non, et le Saint-Ponex, en fait, c'est que depuis quelques années, ça vient d'Australie, en fait, c'est ce qu'ils ont fait, les liens là. Et au niveau milieu bactériologique, c'est hyper intéressant. Et nous, comme support de culture, c'est et oui, non, puis ça reste propre, en fait. Ouais, le fait que c'est dans une serre aussi, peut-être. Tu ferais ça en extérieur, t'as plein de graines et tu viendrais dedans. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Non, la serre est importante aussi. La serre est importante pour étaler la saison de production et quelque part la protection aussi. Okay. Mais on veut tester avec notre mare, on veut tester une zone de Saint-Ponix, de aquaponie sur sable à l'extérieur. En extérieur, oui. Bah, okay. Il y aura peut-être un peu plus de désherbage. Ouais. Mais je suis curieux de voir si les limaces... Les limaces ninja, qu'ils aiment... Parce que c'est humide, mais c'est quand même du sable. Mais c'est du sable, et du coup, elles y vont moins dessus. Et puis, on est dans un milieu où, là, c'est hyper humide dans le sable, mais autour, c'est sec. Ah oui, c'est sec. Du coup, on est dans un environnement où, de toute façon, déjà, elle n'arrive pas jusqu'ici. C'est ça. Ouais. Génial. Et donc, ça, c'est calculé, pour nous, c'est calculé sur 4 à 5 000 boutures de production. Ok. Sur 24 mètres carrés. 24 mètres carrés de production et combien de poissons ? Parce qu'il y a ça aussi comme production. 350 en phase finale. 350 poissons. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'il faut qu'on y va. L'erreur, le couac qu'on a eu, c'est qu'on est allé style Wally Kate, quoi. On va pêcher des poissons, on les met tous dedans. On met 350 poissons et là, en fait, ils ont. L'azote s'est transformé en nitrite et nitrate et en fait, ils sont auto-tués, les pauvres bêtes. D'accord, donc il faut y aller graduellement. C'est un équilibre en fait, c'est un sort de jeu. De jeu, d'équilibre et tout doucement, on va. Non, c'est ça. Pour l'instant, c'est expérimentation, découverte. Hein. C'est ça. C'est ça, même les tables aussi. Hein. Normalement, c'est vraiment pour la pépinière, pour la production de plantes. Mais là, on avait beaucoup de place et j'avais vraiment envie de légumes. Donc, on a mis plein de légumes aussi. Donc, la moitié de l'aquaponie est légumes et l'autre moitié est production. C'est de la folie comme donc, ça. Donc, une partie, c'est pour la pépinière, vous produisez de la plante. Ouais. Et l'autre, c'est pour du perso ou vous... Ah bah, c'est principalement pour la pépinière. Mais c'est que là, on prend tant notre pied avec les légumes parce qu'on est un peu épuisé du potager dans le vrai sens du mot. Parce que le potager, il commence toujours à la fin de notre saison de pépinière. Donc on est toujours là, au mois d'avril. Faut recommencer en fait. Ok, encore des plantes. Et, et ça, honnêtement, il n'y a pas d'adventice, pas de limace. Ah oui, c'est à hauteur d'homme. Ah ouais, au niveau ergonomie, c'est incroyable. Ouais. Ça pousse. Germination en 3 jours. Donc là, en fait, c'est la fête du slip, ça. Ouais. Et j'ai des aubergines quand personne ici, dans la région, a déjà des aubergines, tu vois. Ouais. Alors, économie d'eau, contrairement, c'est pas contre-intuitif. Ouais. Et puis surtout, tu arrives à produire des légumes alors qu'il y a un moment, un endroit où il n'y en a pas ailleurs. Pas tout ça, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On expérimente aussi. On a essayé les choux, ça, c'est pas possible. La courgette, on l'a essayé, c'était pas possible. J'avais que des fleurs mâles, ça, c'est bizarre aussi. Ah ouais ? Que des fleurs mâles dans mes courgettes. Parce que trop chaud, parce que trop peint. Je pense trop chaud, Ok, donc il y a clairement, ça apporte des solutions quoi. Ouais, mais c'est quand même, c'est beaucoup de plastique, hein, donc ça c'est quelque chose que on a souvent ce retour-là, oui. J'allais te demander, t'es tout fait maison là, le matériel, il n'y a pas de matériel adapté, est-ce que... Bah c'est du bois, c'est du douglas, donc bois imputrescible, c'est une bâche en PVC, pas de l'EPDM, parce qu'en fait c'est beaucoup moins cher, et pour là c'est beaucoup de tuyauterie, et une pompe. Une pompe. Bah écoute, génial. Donc là, expérimentation pour l'instant, donc peut-être que je reviens dans un an ou deux et le système, il est au top. Ouais. On va y revenir. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les partages, pour l'accueil. Avec plaisir. Et ben nous, du coup, on va se retrouver sur le prochain lieu. Yes.
Allez, on est déjà au bout de cet épisode. À l'origine, je pensais faire une vidéo en présentant tous les lieux que je suis allé voir, mais non, ça ferait beaucoup trop long. Donc il va falloir attendre le prochain épisode pour voir la suite, ou ben, qui se passera en Belgique du coup. Voilà, encore des lieux fabuleux que je suis allé voir. Donc comme d'habitude, si vous voulez m'aider, me soutenir, vous pouvez le faire déjà en, ben, en likant la vidéo, en mettant des petits pouces en l'air comme ça, en partageant la vidéo autour de vous, etc., etc. C'est toujours très sympa pour le référencement. Et si vous voulez m'aider plus concrètement, vous pouvez le faire via les liens vers la page Tipeee en me soutenant financièrement. J'ai fait une grosse pause vidéo là cet été et du coup, ben, c'est vrai que le Tipeee a bien baissé. Donc il va falloir relancer un peu toute la machine. Donc si vous voulez me soutenir financièrement et me permettre de continuer de prendre le temps à faire ces vidéos, suivez les liens qui sont soit par là, soit dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, un énorme merci aux personnes qui me soutiennent déjà sur Tipeee, sans qui ben, je ne pourrais pas prendre tout ce temps. Merci beaucoup à eux, merci beaucoup à vous tous, et je vous dis ben, très bientôt pour la suite de cette série et pour d'autres vidéos. Salut !